contre le boycott de la coalition des signataires de la déclaration du 31 mars 2024, l'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré aussi la société civile où il a été question des dates des prochaines élections et le financement des partis politiques. Vous en saurez plus dans cette édition. Malgré les efforts du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs localités, plusieurs écoles restent fermées à travers le pays. Une situation qui préoccupe les défenseurs des droits des enfants. La promotion de la santé pour tous reste une priorité pour l'État malien et son partenaire stratégique OMS. C'est pourquoi les deux parties ont organisé une session de plaidoyer pour promouvoir la santé des migrants et des réfugiés au Mali. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. L'autorité indépendante de gestion, l'EIGE, a tenu hier lundi une rencontre avec les partis politiques dans le but d'œuvrer ensemble pour la tenue des élections transparentes et crédibles dans notre pays. Même si pour le moment on ne connaît pas les dates des prochaines élections, dans la salle Balamoussa Sissoko du CICB, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit notamment des activités menées par l'EIGE, la question du financement des partis politiques et la tenue des élections dans un bref délai. L'événement a été marqué aussi et surtout par le boycott de la coalition des signataires de la déclaration du 31 mars 2024 jusqu'à la libération de leurs camarades détenus depuis 2 semaines. Les détails avec Amadou Diarra et Zakara Oumar Keita. Quelques jours après la décision de la levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, a tenu cette rencontre avec les partis politiques pour œuvrer ensemble à l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans notre pays. Occasion pour le président de l'EIGE de présenter le progrès réalisé par l'EIGE dans le sens de la bonne organisation des élections. Nous avons l'amélioration du cadre de travail des départements techniques. Vous savez, l'EIGE comporte en son sein 5 départements techniques. S'agissant essentiellement de 2 cadres importants que nous avons rénovés et que nous avons relogés, il s'agit du département des relations des opérations électorales. Donc ce département des opérations électorales a été rénové entièrement, équipé, et nous y avons installé tous nos collègues dans d'excellentes conditions de confort matériel et moral pour qu'ils puissent exercer leur mission. Le département du fichier électoral et de l'informatique, installé dans le local des annexes de la Bibliothèque nationale, aussi ce département a reçu un lifting assez important. Il a été rénové quasiment dans sa globalité. Enfin, en ce qui concerne l'actualisation du fichier électoral, j'avais parlé tantôt de la reprise des travaux au niveau du fichier que nous avons rénové, ce qui a quelque peu ralenti notre travail, mais nous avons pu terminer. S'agissant de la tenue des élections, aucune date n'a encore été révélée pour le moment. Mais le président de l'EIGE a tenu à être clair et précis concernant cette question d'élection et celle du financement public des partis politiques. Si vous voulez que je vous dise que je convoque l'élection présidentielle tel jour, je ne pourrais pas le faire. Mais soyez certain que j'ai envie de le faire. Voilà, j'ai envie de le faire. Et j'espère que ça va être fait. Maintenant, la gestion des intérêts des partis politiques, la gestion de la question du financement des partis politiques, je pense qu'il y a une institution qui s'en occupe, une autorité qui s'en occupe, à laquelle vous devez poser cette question. L'événement a été aussi et surtout marqué par la décision de la coalition des signataires de la déclaration du 31 mars 2024, qui s'est retirée de la salle. Elle exige la libération de ses 11 camarades détenus. Aussi avons-nous l'obligation morale de suspendre notre participation à cette rencontre-ci et aux autres à venir jusqu'à l'obtention de leur libération. Du chantage. Le président de l'EIGE a répliqué que son organe n'interfère pas dans les affaires de la justice. Nous ne le ferons pas. C'est une affaire qui est en justice. Il y a un dossier de justice qui est ouvert, qui est pendant devant l'institution judiciaire, qui n'est pas n'importe laquelle, c'est une institution judiciaire. Et vous m'aurez même posé la question si
Moi, en tant qu'avocat, président de l'EJ, je me prête à un exercice qui consiste à aller porter atteinte à l'institution judiciaire en allant spéculer ou dire telle ou telle chose. Je ne le ferai jamais et je pense que par respect pour ma modeste personne, le moi est haïssable, mais pour mes collègues, membres du commissaire de l'EJ et les sons que nous incarnons, ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Après cette réunion d'échange sur les activités du cadre de concertation entre l'EJ et les partis politiques, l'EJ entend entreprendre le même exercice avec la société civile. Tout à fait, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ a rencontré ce mardi 16 juillet 2024 la société civile. Des sujets tels que les activités menées par l'EJ, le fichier électoral ont été abordés lors de cette rencontre. La société civile se dit prête à accompagner l'EJ dans sa mission. Pour plus de détails, écoutons quelques réactions au micro de nos reporters Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keita. Vous savez, la société civile a un rôle important à jouer. D'abord, avant les élections, c'est la société civile qui mobilise, qui sensibilise, qui informe les citoyens sur le processus électoral. Pour un vote utile, pour un vote massif, la mobilisation de la société civile permet de rehausser le taux de participation aux élections. Pendant les élections, la société civile, qui n'est pas une société partisane comme les partis politiques, participe à l'observation des élections, au contrôle citoyen, comment le vote s'est passé et fait un communiqué. Donc après les élections, la société civile contribue à l'apaisement parce qu'elle doit se prononcer sur le déroulement des élections. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça ne s'est pas bien passé? Quels sont les points à améliorer? Et aussi, elle participe aussi à la cohésion sociale, à la paix après les élections. Donc la société civile a un rôle très important dans le processus électoral. C'est pourquoi l'EJ a tenu bon à nous rencontrer, à discuter avec la société civile. Donc nous souhaitons que ce partenariat entre EJ et société civile puisse nous permettre à terme d'aller vers des élections apaisées, transparentes, inclusives, ouvertes. Très très satisfait parce que j'ai vu qu'ils sont enfin prêts pour les ceux pour lesquels on les a désignés. Et à travers eux, je félicite le gouvernement. Parce que le gouvernement a déjà mis l'EJ dans des conditions, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Ils ont tout, tout est mis en place. Donc, ce qu'ils ont mis en place ne les ont pas négligés. Ils ont tout, ils ont des locaux, ils ont des véhicules, ils ont des motos et les gens sont sur place. Donc vraiment, c'est le gouvernement que je félicite. C'est le président de la République que je félicite parce qu'on l'a accepté que ça soit créé et se soit occupé de nos créations. C'est nos créations et nous avons, parce que nous avons accepté. Donc la question elle est très bien posée. Je suis vraiment très très satisfait. L'EJ est déjà prête. La société civile que nous sommes prêts. Nous allons accompagner le processus. Tout ce que je pourrais demander aux uns aux autres, nous, notre sacerdoce, c'est vraiment l'apaisement du climat social. Que les plus hautes autorités mettent tout en œuvre pour mettre les mécanismes endogènes de négociation pour que ce climat social revienne dans le pays. Certains camarades qui sont des membres des partis politiques sont aujourd'hui dans des difficultés judiciaires. Il faudrait que nous mettons tout en œuvre pour que ce climat social soit apaisé d'une manière ou de l'autre. Il y va aussi de l'intérêt de nous tous les Maliens. Par ailleurs, le ministère de la Santé et du Développement Social, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a organisé une session de plaidoyer à l'endroit des acteurs régionaux de la santé. L'objectif est de promouvoir la santé des migrants et des réfugiés au Mali. Le point avec Maimouna Ouedraogo. Afin de promouvoir la santé des migrants et des réfugiés au Mali, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'OMS, a organisé cette session de plaidoyer en faveur des acteurs régionaux de la santé. Le thème retenu pour cette session est « La santé est un droit pour tous, ne laissons pas les migrants de côté ». Une occasion pour l'OMS de rappeler les conditions difficiles auxquelles les migrants sont confrontés. Les réfugiés et les migrants font souvent face à des vulnérabilités liées aux conditions dans lesquelles ils se déplacent, telles que l'accès insuffisant des services de santé, à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement
et à d'autres services essentiels comme je venais de citer tantôt. À ce titre, l'OMS est d'avis que toutes les personnes, y compris les réfugiés et les migrants, devraient pouvoir jouir du droit à la santé et de l'accès à des services de santé de qualité, centrés sur la personne, sans devoir subir des difficultés financières, comme indiqué dans notre engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle. Selon la matrice du suivi des données des déplacements, à la date du 31 décembre 2023, le Mali comptait environ 380 000 personnes déplacées internes et environ 89,93% des migrants sont retournés au Mali. Face à ces défis, le gouvernement a adopté une politique afin de permettre aux migrants de bénéficier d'un service de santé adéquat. Afin de réduire ces écarts, le gouvernement du Mali a affiché une volonté politique qui s'est traduite par l'adoption de la couverture de maladie universelle, le régime d'assistance médicale, la mutualité, la gratuité de certains actes, la dotation du pays d'une politique nationale de migration, l'élaboration d'un plan d'action 2024 de la politique nationale de migration. Cette session a permis de mettre en lumière les besoins urgents des migrants et des réfugiés en matière de santé dans le but de trouver des solutions pour la promotion d'une santé pour tous. Avec les efforts du gouvernement contre le terrorisme expansionniste, les représentations de l'État malien et les services socio-économiques de base ont pu reprendre peu à peu. Il reste tout de même en suspens la réouverture des écoles dans certaines localités du pays. Elles sont plus de 1500 écoles toujours fermées. Explication Adam Tengra. L'école est l'une des cibles favorites des terroristes. Ils la considèrent comme haram, contraire aux dogmes et préceptes de la religion musulmane. À ces jours, au prorata des zones d'insécurité, 1962 écoles sont toujours fermées en avril 2024. Selon le rapport du Cluster Education, un regroupement composé d'organisations locales et internationales, ainsi que des acteurs de l'éducation de l'État malien et Ocha Mali. Selon le même rapport, 11 772 enseignants sont concernés pour 588 600 enfants, soit un taux de fermeture de 20% en 2024, donc une réduction de 3% par rapport à 2022 des écoles. Les régions avec le plus grand nombre d'écoles fermées pour cause d'insécurité sont celles de Mopti avec 827 écoles, Tombouctou 250 et Ségou pour 219. Il faut rappeler que l'implication de tous les acteurs a rendu possible la réouverture des écoles qui ont pu se soustraire des écoles fermées. Notamment à Mopti, une rencontre avec les notabilités et les organisations a permis d'ouvrir certaines écoles. Pour les cas de Koulikoro, Kidal et Sikasso, une présence massive de l'armée pour la sécurisation a abouti à la réouverture des écoles. Parmi les efforts de l'armée, on peut citer son succès militaire, notamment la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. L'éducation est un droit protégé par la Constitution. Salimata Kabadjakité, la présidente du mouvement Mali Kokroi, dans le cadre de la célébration de son anniversaire, a organisé ce lundi une journée de communion avec les femmes victimes de fistules vésico-obstétricales du centre Oasis du CHU du Point G. Il s'agit pour elle de redonner le sourire à ces femmes en brisant un mur de la stigmatisation. Le point avec Gabriel Keita. C'est fort de ce constat que la présidente du mouvement Mali Kokroi, Salimata Kabadjakité, a initié cette journée de communion avec les femmes fistuleuses afin de leur témoigner de sa solidarité. Par ce geste, la présidente Salimata Kabadjakité veut apporter sa pierre à l'édifice national et lutter contre la marginalisation des couches défavorisées, dont ces femmes du centre Oasis. La solidarité doit être agissante au Mali. Et le mouvement Mali Kokroi a mis les petits plats dans le grand. On ne peut être que heureux. Heureux pour ces braves femmes-là qui vivent dans l'anonymat et qui endurent des situations que personne ne souhaite être, en tout cas,
porteurs ou porteuses, mais qui sont également dignes quand même. C'est cette dignité qu'on est venu saluer à travers la célébration de l'anniversaire de Madame la Présidente du mouvement Mali Koukroua. Et je pense que célébrer un anniversaire dans une telle ambiance de solidarité, je pense que ça doit inspirer. Et on est venu, on a vu des choses. On est venu, on a entendu, on est venu, on a compris et on va agir au nom du mouvement Mali Koukroua. Après plusieurs motions de reconnaissance des femmes fistuleuses sur leurs conditions de prise en charge, le directeur général du CHU de Pongi a salué le geste du mouvement Mali Koukroua qui est de nature à renforcer les acquis. Il a cependant lancé un vibrant appel à toutes les bonnes volontés à emboîter le pas du mouvement Mali Koukroua. Je dirais que c'est un sentiment de reconnaissance et également de fierté par rapport à une action de cette envergure qui témoigne assez de la volonté d'une personne dans le social. Dédier un anniversaire à des gens de cette catégorie qui souffrent de marginalisation, de situation médicale, je dirais précaire. Et vous avez vu l'ambiance qui sévissait tout à l'heure. Quand on voit ces dames danser, et ça donne encore plus d'espoir et ça montre que les lendemains seront meilleurs. Et je pense que les gens doivent prier pour que ça se pérennise. Profitons de cette célébration. Le mouvement Mali Koukroua, à travers sa présidente, a remis des matériaux de réhabilitation de la toiture de la salle de formation du centre Oasis du CHU.J. La journée a pris fin par une visite guidée au chevet des patients, marquée par la remise d'une cinquantaine d'enveloppes symboliques par la présidente du mouvement Mali Koukroua et une prestation artistique. Plusieurs saisies de cocaïne ont été annoncées ces derniers mois par les douanes du Mali et du Sénégal, dont celle d'une tonne à la mi-avril dans l'Est, à la frontière avec le Mali et plusieurs autres au début du mois. Une situation qui inquiète. Commentaire, Djakité Lassine. Ces derniers mois, il a été multiplié les interceptions des chargements en provenance des pays voisins, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali. Les douanes sénégalaises ont annoncé jeudi 11 juillet avoir intercepté plus de 360 kg de cocaïne dans le sud-est du pays où les saisies de drogue se sont succédées ces mois derniers. Les 365,4 kg de cocaïne ont été saisies mercredi à Kumpetoum à bord d'un camion. La localité de Kumpetoum est située sur l'axe routier menant au Mali et à la Gambie. La drogue, contenue de 338 plaquettes et d'une valeur de 29,2 milliards de francs CFA, était cachée sous le plateau du camion. Cette saisie de cocaïne est la troisième du genre, réalisée depuis janvier par les douanes de Kumpetoum pour un poids total de 721 kg selon les douanes. Plusieurs saisies de cocaïne ont été annoncées, dont celle d'une tonne à la mi-avril à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Assassinat d'une femme militaire à Baguenida. En effet, une femme militaire enceinte a été égorgée par sa coépouse, elle aussi militaire. Le drame est survenu le week-end dernier à Baguenida, une localité située à quelques kilomètres de Bamako sur la route de Ségou. La brigade territoriale de la gendarmerie de Baguenida a ouvert une enquête et la coépouse, principale suspecte du crime, a été interpellée selon plusieurs sources. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Bonsoir.